C'est rare quand c'est un train qui s'arrête pour laisser passer une voiture. C'est pas courant, hein. Oui, mais bon, je vous dis, ça va pas durer là. Trop longtemps. Ça sert à quoi ce... ça là derrière? Signaler votre arrivée. Voilà. C'est parti. 5,10, 5,20, la maison dans mon roux. 5,20, 5,30, 5,40, 5,40, 5,50. Gamme d'aliments pour des vaches bouchères. Aliments non OGM, etc. Hein? C'est celle-ci. La salaire du gars Brugna Badaillac. Allez, 875 kilos de poids vif quand même, c'est pas une petite. Allez, mise à place sur cette grosse salaire du gars Brugna. 5,60. Allez, 5,60. Kilom 5,70. 5,70, c'est parti devant Rigal. 5,70. 5,80, Foussa. 5,90. 5,90, ça c'est Mac. Pour 6 euros.
6-0 devant, 6-10 monsieur Croûte, 6-10, 6-20 monsieur Vigneron, 6-20, on repart pour 6-30. Allez, 6-30 monsieur Croûte, 6-30, 6-40 au milieu, 5-40, 6-80 pour 90. Allez monsieur Croûte, 6-80 sur cet animal, 875 kg de poids vif, 6-80 c'est là, 90, bienvenue de nom. 6-80. Une ancienne station thermale située dans la vallée de la Serre au sein du parc naturel régional des volcans d'Auvergne avec 1980 habitants. Perchée sur son roc escarpé, à 750 mètres d'altitude, l'ancienne forteresse de Polminac domine fièrement la vallée de Serre. Le donjon imposant symbolise toute la majesté du château de Pesteil et évoque le Moyen-Âge dans sa plus rude expression, témoignage glorieux de ce que devait être cette place forte du Cantal.